Salut les filles Sandra, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la Glossy Box et de la Birchbox que j'ai reçue en même temps ce mois-ci. Donc on est le 7, je trouve ça vraiment pas mal, ils n'ont pas vraiment été en retard ce mois-ci. Donc voilà, avant ça je voulais m'excuser pour mon absence sur YouTube, j'ai vraiment eu quelques problèmes de santé ces temps-ci et donc j'ai préféré me consacrer un peu à ma santé et stopper un peu mes vidéos YouTube pour me remettre mieux. Donc voilà, je suis de retour parmi vous pour faire des vidéos, j'en avais filmé quelques-unes que j'ai pas eu le temps de monter donc voilà, mais ça arrivera très prochainement, je suis vraiment désolée. Donc on va commencer soit par l'une soit par l'autre, je vais voir dans quel sens je fais la vidéo. Dans quel sens je les mets en fait. Là on va commencer sur la Glossy Box. Donc la boîte est noire. Hop. À l'intérieur, au fond, j'ai une petite carte Zalando. Donc un code pour Zalando. Donc voilà, je suis désolée pour la luminosité, je vous dis ça souvent, mais là c'est vraiment horrible. J'ai la lumière artificielle et je vois très bien que c'est très très moche. Et j'en suis vraiment désolée, mais je voulais absolument vous la filmer parce que j'avais absolument envie de l'ouvrir. Donc voilà, à l'intérieur, on a ça et des petites cartes derrière. Donc voilà, donc, le premier produit, c'est un masque visage à l'huile de coton. Donc je suis désolée, avec la lumière, c'est un petit peu horrible, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ce masque coûte 2,50€, évacuer toutes les tensions et toutes traces de pollution grâce à ce masque visage garanti 100% détox. Moins 20% de remise sur le site internet en rentrant le code promo ACTION. Donc voilà pour ce petit masque, je ne connais pas ça, donc je testerai. Ça a l'air un peu épais, on verra, mais je pense quand même qu'il y en a pour pas mal d'utilisations. Parce que il est vraiment, ou alors faut vraiment s'en mettre une tonne, mais voilà. Donc ça c'est pas mal, je suis en train de tester des masques, faut que je vous fasse des vidéos, j'ai plein de vidéos en retard, j'ai plein de choses à vous montrer, donc ça arrivera très prochainement. Ensuite, j'ai une petite crème de la marque Love Me Green, organique, certifiée organique, donc c'est un gommage je pense. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Les 75ml valent 9,90€ et nous on a 30ml. Cet exfoliant visage à l'huile essentielle d'orange biologique et à l'argan élimine les peaux mortes et lisse un grain de peau en un instant, 30% sur le site. Donc voilà pour ce petit truc là que je n'ouvrirai pas mais que je vais pas tarder à utiliser parce que je suis en train de finir mon grand gommage. Et maintenant je compte m'attaquer à toutes les petites que j'ai eu dans les box pour vous en parler parce que j'ai beaucoup de produits dans les box. Et il y en a beaucoup que j'ai testé et qu'il faut que je vous parle. Donc voilà pour ce petit produit là. Mais ça me va très bien. L'écorce d'orange, il me semble que je viens de dire. À l'huile essentielle d'orange. Donc ouais, pourquoi pas. Ça changera un petit peu. Ensuite, j'ai un mascara de la marque Essence. Donc il est comme ceci, il est assez joli avec un petit corsage derrière. Ce mascara volumateur va faire de vous une véritable princesse. Sa brosse innovante en silicone se glissera entre chacun de vos cils pour créer un regard revolver. Donc je ne connais pas ce mascara, dites-moi si vous l'avez testé parce que la marque Essence, voilà, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces produits-là. Donc ça m'intéresserait de savoir s'il est bien. Et voilà, c'est une petite brosse en silicone. Donc j'ai pas trop envie d'ouvrir le mascara parce qu'après il faut que j'utilise assez vite. Et je suis en train de finir les miens. Donc je vous en parlerai plus tard. Il est là. Donc voilà. Et lui il coûte 4,19€. Donc ça va pour un mascara, je trouve que c'est pas mal. Si il me plaît, ça sera parfait. Ensuite, j'ai dans une petite boîte comme ça un top coat. Donc la boîte est hyper mignonne. Je sais pas si vous allez voir, si on voit. Je suis désolée, la qualité va vraiment pas être top. Et du coup, où est-ce qu'il est celui-là? Je le vois pas. Ah si. Vernis à ongles, 13€ les 7ml. Ce vernis à ongles glossy à souhait éliminera votre tenue d'une touche colorée et ou pailletée pour être tendance jusqu'au bout des ongles. Donc moi je ne sais pas quelle couleur il est. D'accord, donc moi c'est un or. On dirait un peu les trucs pour mettre sur les ongles, pour faire du nail art. Ça me fait penser à ça, les petits liners. Et du coup non, c'est vraiment... Mais c'est bien parce que c'est pas des paillettes.
Voilà, ça me va parfaitement et du coup c'est un top coat. Donc on testera, mais la bouteille est vraiment sympa. Hop, elle ressemble à ça. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'en ai pas de cet effet-là, enfin de cette couleur-là qui font cet effet-là. Donc on verra. Pourquoi pas? Ensuite, j'ai de la marque Nikak New York. Hop. Alors, ça doit être un blush, hein. Ce poudrier blush dépose la juste touche de couleur sur vos joues pour éliminer en un instant votre teint. Donc, 8,95 €. Ne pas trop secouer le poudrier en amont. Donc, on va voir ce qu'il donne. Si je l'ouvrais, ce serait pas plus mal. J'ai peur de faire des bêtises. Ouh, d'accord. Ouais, effectivement, il vaut mieux pas trop le secouer. Donc voilà, il est comme ça. Donc la teinte, elle a l'air vraiment, ça a l'air vraiment hyper pigmenté. Mais c'est parce que j'ai pas ouvert le truc, je suis en train de faire des bêtises. Ch'touc. Je vais en mettre partout. Je sais pas pourquoi, je sens que là, je vais avoir de la chance. Je vais enlever le petit film protecteur, ce que j'aurais dû faire depuis le début en fait. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, du coup, ce que ça donne, je vais le remettre. Et voilà, donc c'est comme ça ici. Normalement, il doit. Voilà. Je me disais qu'il y avait un petit problème. Voilà, donc ça se met par ici et après, vous appliquez avec ça. Donc, on va regarder. Ça va, il est pigmenté, mais c'est pas trop. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est là, si on le voit un peu. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal. En plus, c'est doux, c'est mignon. C'est mignon, donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai testé. Et ensuite, apparemment, il y a un autre produit. Ah ouais, il est tout petit, petit, petit. Voilà le deuxième produit. Ah, c'est de la marque Philosophie. Donc ça, c'est super. J'aime bien ces produits-là. Et c'est une pince à épiler. Ultra glamour et fantaisie, cette pince à épiler glossy vous séduira à coup sûr à glisser dans votre sac à main pour des retouches à tout instant. Donc je regarde comment elle est. La pince me plaît, je préfère ces trucs-là, mais j'aime bien aussi les petites pinces courbées. Et elle vaut 8,90 €. Et là, en fait, ça fait comme une chaussure. Je suis désolée, avec la lumière artificielle, c'est horrible. Donc là, il y a une petite chaussure et je la trouve hyper mignonne. Et en plus, je voulais m'en racheter une, donc ça tombe très bien. Donc voilà, hop, pour tous ces produits-là. Et je vois que il y a la Glossy Box de Noël, ultra limitée, tout en velours d'une valeur de 104 € pour un effet de surprise assuré. 6 produits full size. Donc ça fait 25 € frais de port inclus. Donc elle est en vente dès le 18. Donc dès le 18, je vais la commander, c'est sûr. Parce que je trouve que Glossy Box, ils font des trucs maintenant. Et moins 15% avec le code. Pour toute commande avant le 1er décembre. Donc franchement, je vais vraiment, vraiment la commander parce que je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Ah là, il y a une zone d'ombre. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Enfin, elle m'a l'air sympa, ça va faire velours et or, ça va être vraiment très joli. Et je trouve que Glossy Box s'améliore de mois en mois. Là, ça me plaît. Il y a un peu plus de maquillage qu'avant, j'ai l'impression qu'ils coûtent un peu plus. Et je suis de plus en plus contente de cette box. Donc oui, ce mois-ci, j'ai aimé cette box. Et je commanderai, de toute façon, je suis abonnée pour l'année. Et je commanderai celle de Noël, c'est sûr. Et je me demande si je ne commanderai pas plusieurs pour voir, enfin, pour les personnes, pour des cadeaux à Noël, en fait. Donc je trouve ça sympa. L'année dernière, j'avais fait ça à une copine et elle avait vraiment apprécié. Donc là, je pense qu'elle a l'air vraiment pas mal. En plus, enfin voilà, 25 €, je trouve que... C'est vraiment pas mal. En plus, 25 € et moins 15%, donc ça fait 3 €, 3,75 € en moins sur les 25 €. Donc ça vous la fait à 22 € quoi. Donc franchement, franchement, je vais foncer et je vais la commander pour Noël et je pense que je vais en commander plusieurs. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez eu dans votre box de ce mois-ci et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!